Avant l'arrivée des déplacés internes, nous avions 80 élèves. Et actuellement, depuis 2020, en classe de CE2, il y a eu l'arrivée des élèves déplacés internes. Donc actuellement, en classe de CM1, nous pouvons compter 103 élèves. Il faut noter qu'il y a certains élèves qui sont venus trouver que nous, ici, on était déjà en avance par rapport à l'école là où ils étaient. Donc, il faut à chaque fois revoir comment gérer ces enfants. Madame, quand nous prenons le cas d'Isidore, il a perdu même son papa biologique lors d'une attaque à Dablo. Donc, arriver ici, c'était vraiment difficile. Donc, mais avec l'intégration, avec les autres élèves, il arrivait quand même à s'amuser et il se retrouve un peu. Nous avons accueilli plusieurs élèves déplacés internes. Et on n'avait pas de salle de classe pour abriter ces enfants. Cela nous a amené à aller vers Plan, qui nous a écoutés et venus en aide en nous donnant, en construisant des bâtiments au sein de notre école pour nous aider à décongestionner un temps soit peu les effectifs pléthoriques. Et effectivement, on nous a formés en safe school et ça a été bénéfique parce que ça nous a permis aussi de bien encadrer les enfants. En plus de ça, il y a eu la dotation en kit scolaire pour les élèves. Les enfants qui sont victimes d'insécurité, du moins de terrorisme, ont des séquelles. Et les enseignants ne sont pas formés en prise en charge psychologique de ces enfants. Mais une formation, en tout cas l'occasion des enseignants, pourrait en tout cas, les amener à bien les enseigner en classe. En tout cas, c'est notre cri de cœur. Et si Plan peut nous venir en aide à ce niveau, ça peut nous aider. Et nous avons des effectifs toujours de plus de 100 élèves par classe. Et si on peut nous aider, soit à achever certaines réalisations ou à construire d'autres infrastructures, ça peut quand même nous aider à toujours à décongestionner au grand bonheur de nos enfants.